On est reparti. Fais le vide. Concentre-toi. J'ai de grands projets pour toi. Faut que je recommence. Parce que j'ai été distrait par le... par le stream qui a crashé. Ouais, on est bon là, on est bon. On n'a pas de perte de FPS, rien, pas d'image perdue. Ouais, ça va, ça va. Tout va bien. Ils sont costauds quand même, ces connards. Ok. On est reparti. Ah, on est à la deuxième phase, j'avais pas vu. Tais-toi ! Fais le vide, concentre-toi. Tu vois rien du tout. Merde. Oh non, il a attrapé ton fils. Touche pas le gosse. Oh putain. Ok, on est dans la merde. Je me sens là. Putain! Allez, Pierre. Ça va pas vraiment aller, mais... faire en même temps quoi. Sont chiants, hein. Oh la vache. Ils sont bien casse-couilles. Ton père doit avoir envie de te traiter avec lui. Tais-toi ! Fais le vide. Concentre-toi. J'ai fait trop de dégâts. Merde, pourquoi j'ai pas esquivé? Arrête!
on va recommencer, je suis pas content. Je suis pas heureux de ma prestation. Je me fais avoir par ça. Toujours essayer. Tête. Désolé, je sais, je suis allé trop loin. C'est la partie que je préfère. Essaie encore, minable. Mandy-moi. Quel est le fond? Oh la vache. Allez, debout. Comment je suis censé esquiver ça? Je me recule. Atreus, mettez-vous en prêt. Merde. Oh la vache. Ils sont durs parce qu'ils arrêtent pas de taper, c'est con. Je sais pas comment éviter cet AO. Je pense qu'il faut se reculer, mais. Ah. C'est la fin alors.
C'est la fin. On a de la défense contre la foudre. Atreus, reste concentré. Je suis retourné trop lentement en fait. J'aurais pas dû me retourner, j'aurais dû faire une roulade. Pas élargir le champ de vision, ça serait bien, ça me permettrait de voir un peu mieux quand les attaques arrivent. Quel est le problème? Le petit abandon de sa maman. Arrêtez! Atreus, reste concentré! Oh merde! Je pouvais pas faire grand chose là. Putain, j'en chie. J'ai pas l'impression de progresser en plus, c'est ça le pire. Arrêtez! Atreus, reste concentré! Oh merde! Ah, il l'a balancé pendant que j'étais en train de taper comme un con. Oh la vache. Atreus, reste concentré! Qui Magni? Le gros? Il m'a bloqué ma rune, putain de merde.
Comment t'évites ça, quoi, sérieux? Recule. Arrêtez! Atreus, reste concentré! On va tuer les deux en même temps parce que je sens que ils vont se régénérer les uns les autres. Non, pas ça, recule. Tu n'as pas le temps. Non. Ah, nous voilà bien. Ouais. Faut tuer les deux en même temps encore. Ça. Putain de merde. C'est cette attaque qui me fait surtout chier en fait. Non. Je ne rappelle même pas la dernière fois qu'on a relevé. J'appelle ça un défi. Un vieil homme et son rejeton chétif. Je peux avoir les deux là. Ouais, je sais. Je peux avoir les deux avec ma runique lourde. Mais. L'autre il s'avance. Yes.
Voilà. C'est malade et il a besoin de Freya. Non. Doucement. Ça va aller. C'est bien, petit. Je vais bien, tu vois. On devrait le surveiller. Maudit et Magni. Merci, merci, merci. J'ai bien aimé la fin où c'est que j'attendais en fait qu'ils se réunissent pour déclencher mes coups là. C'était un peu chaud mais ça va. Ah, c'était cool. Le combat était vraiment cool. Avec ça, nous pouvons graver la rune menant à Jotunheim et à votre destination. Et nous pouvons aussi ouvrir toutes les portes fermées par un saut magique que nous avons vu, comme celle qui se trouve dans ce coin. Ah. Tu peux passer cette porte maintenant que tu as le burin. Ah, c'est avec ça. Trouver un emplacement, appuyez sur R2. Cool. Tu as tué Magni. Pas qu'un peu. C'était un dieu. Mais il l'a tué. Un as mineur, certes, mais oui. Et son père est Thor. Pas mineur, celui-ci. Pas du tout. Ça ne sera pas sans conséquences, Asgard. Je nous ai défendus. Bien de plus. Je ne crains aucun jugement. Un jugement, non. Mais pour ce qui est d'une vengeance. Depuis quand peut-on tuer un dieu ? Quand on est un autre dieu, quand on est un dieu soi-même, c'est comme ça qu'on peut tuer les dieux. C'est vrai, ouais, ils sont... Mais c'est bizarre, ils connaissent vraiment pas Kratos ou alors ils pensent que c'est juste un dieu minable, parce que c'est un peu bizarre qu'ils le connaissent pas. Ah, oh, le gosse, il va mourir. Pas mourir. Pas mourir, gosse. T'es le seul enfant que... Enfin, un des rares que j'aime bien dans les jeux, alors tu vas pas mourir. Attends, y'a un chemin là-bas ? Non.
On reste fort. Et je suis retombé. Ah, c'est joli, c'est de l'art. Ah. Une. On va voir. On peut aller là ? Non. Je cherche les autres trucs. Eh, hey, on est déjà venu ici, mais comment repartir? Eh, hey, vous êtes au courant? Magni, le dieu Az, fils de Thor, mort, c'est fou! Depuis, Maudit retourne tout Midgard pour mettre la main sur le coupable. Il a juré que quand il l'aurait trouvé, ah, mais grincez-vous. On devrait sans doute en parler plus discrètement. Ou ne pas en parler. Voilà un très bon plan. Si on part du principe qu'ils évoluent chacun dans leur mythologie respective, je dirais non. Ça se tient. 5 ans de développement, mais le résultat est là. Pour moi, c'est le jeu de l'année. Je dirais juste qu'il n'y jouera jamais. Ouais, que ça soit seulement sur PS4. Ouais. J'avoue, c'est chiant. Oh! Ouais, on a tué un fils de Thor, donc on a la. On a ça du coup. Hop là! Niveau 5. Je suis d'accord aussi le coup de l'émulateur. On aura sûrement sur émulateur. Je sais pas s'il y a du PS3 émulateur. C'est possible, parce qu'il y a la... Il y a même la Nintendo Wii U et tout ça. À main nue, visée. Ok, on la récupère. Et on tape en même temps. C'est pas mal, c'est pas mal. Et là, on peut cibler. Non, ça, je m'en fous. Ça, par contre, la récupérer, oui. Cool. J'aime pas trop ces postures alternatives, c'est très très étrange. Changer de posture en marquant une pause après une attaque à la hache. Je vais voir comment ça fait.
Si j'enchaîne, après si je mets une, fais une pause. Je suis pas fan, mais on peut essayer. Et merde. Oh, on a qu'à débloquer. Allez. Ça, je m'en fous. C'est joli, mais est-ce que c'est utile? C'est ça le truc. Les enchaînements sont très jolis, mais est-ce que c'est vraiment utile en combat? Est-ce que je vais avoir le temps de marquer des pauses quand j'ai 344 ennemis qui me foncent dessus? Est-ce que je vais avoir le temps de faire ça? C'est ça la question. Enfin, on verra. Bon, ça m'inquiète là parce que je trouve pas les runes. Fais chier, t'es sérieux, faut tout remonter comme ça. Trois petits. Qu'une, ça me ferait chier de la louper. Ah! Je crois. Ça, c'est là. Oh la vache! Putain, je peux pas monter plus haut que ça. Jeune Atreus, que puis-je pour toi? Oh, rien. Très bien. Par où on part? Là-bas?
Non. Là ? Ah, la porte. Je n'ai pas l'impression que le petit aille bien. Ça va. Y a pas de quoi s'inquiéter. Dans ce cas, ne traîne pas. Oui, père. Magni n'est pas revenu à la vie. C'est intéressant. On sait que les As trouvent eux-mêmes la voie du Valhalla. Pas de Valkyrie en escorte, pas de traitement aux portes des Limes. C'est peut-être un signe. Il me faut de la sève. Ah bah voilà. Il y aura apparemment un émulateur pour la PS3. C'est à moi. Avec ce God of War, putain, c'est un putain de bon jeu. Oh la vache. Retour à la main du géant. Quel est cet endroit ? Les pêcheurs débarquaient à la prise du jour dans ce port et utilisaient cette chose pour en envoyer une partie directement aux cuisines du Jarl. Le reste était trié et vendu. Il y a une sortie sous le pouce. Trouve un moyen de passer. Il y a une ouverture. Je peux l'attendre. Il y a un chemin vers la sortie de l'autre côté. Ah, je vais devoir le faire passer. Bouge pas, gamin. Arrête de tousser, tu m'inquiètes. Je te fasse monter ou tu passes de l'autre côté? Non, monter. Il y a une chaîne ici. Ah ok, coffre. Faut la geler, faut monter et aller dessus. Et après on dégèle. Voilà, rien. On remonte. Et voilà. Putain, mais il y en a plein maintenant des portes comme ça. De
De retour sous sa main. Nous y sommes presque. Je sais pas. Après tout ce qu'on a fait, escalader le corps d'un géant, chuter sur un grand marteau, affronter des dieux malfaisants, qu'est-ce que tu crois que Mère dirait ? Que tu as fait d'énormes progrès. Merci. Ah, ça y est. Oh, enfin. On est à l'extérieur. Ouais, je pense aussi pour faire tourner un émulateur PS3, ça doit... Ça doit demander un bon truc. On va où, là ? S'il vous plaît. Chambre cachée, 1 sur 7. Chambre cachée d'Odin. Regarde là, un autre. Ah, tu le reconnais, n'est-ce pas? C'est un mur, le géant tailleur de pierre. Il construit un mur autour de Jotunheim. Ce devait être son chef-d'œuvre. Il cherchait seulement à protéger son peuple. Dommage que le premier panneau ait brûlé. J'aurais préféré que le dernier brûle. Quelle terrible perte. Qu'est-ce qu'on va trouver? Oula! Qu'est-ce que c'est que ça? Tu peux venir, gamin. Cet endroit, il ressemble à une prison. Cela expliquerait l'imposant verrou magique à l'extérieur. Ah. C'est pas seulement ça. J'ai comme l'impression que quelque chose nous attend. Tu as un don pour les annonces dramatiques, petit. Quel genre de choses? Je sais pas. Quelque chose de puissant. Quoi que ce soit, Atreus, nous le surmonterons, comme nous l'avons fait jusque-là. Oui, père. Ça va être une sorte de boss et on va pouvoir récupérer quelque chose. Vu que c'est une chambre cachée. J'espère que c'est pas un truc trop dur. Il y a plein de cristal de vie juste avant. C'est, ça te dit rien du tout, quoi. Ça te dit pas non, attention boss, quoi. Pas du tout. Une Valkyrie ? En prison ? Alors c'était vrai. Une Valkyrie ? Mais je croyais que c'était des esprits. Soyez prudent. Une Valkyrie en chair et en os. Je ne connais pas d'adversaire plus redoutable. Elle ne nous attaque pas. Elle ne nous a peut-être pas vus. Oh, ok. Le Valhalla se rit de ceux de ton espèce. Sois prudent, ferme ! Merde! Je me suis pris le coup, fais chier. Attention!
Elle tape à travers ma rage. Vache. Elle est résistante en plus, cette conne. C'est possible qu'on revienne plus tard pour elle, parce que elle résiste bien. On peut pas l'étourdir, on peut pas vraiment la stun non plus. Ok. Toute ma vie en quelques coups. Ouais, quand même. Attaque. Masochiste. Ah, attends. Son histoire est passée. Autrefois est... Tête, silence. Elle est buffée. Oh la vache. Elle est buffée. Je l'ai esquivé. Merde. Non.
J'allais la tuer. Tête. Vous m'avez libéré de ma forme corrompue. Vous avez ma reconnaissance éternelle. Mais mes sœurs demeurent prisonnières. Prenez mon womb. Trouvez-les. Délivrez-les. Le destin des Valkyries est entre vos mains. Eh ben... Destin des Valkyries. Ça a l'air très important. C'est le moins qu'on puisse dire. Vous avez débuté un service légendaire. Bonne question. Difficile à dire. J'en sais plus que la moyenne, quoiqu'une grande partie de leur histoire soit teintée de secrets. Mon expérience avec les Valkyries s'arrête à mon emprisonnement. Tu ne réponds pas à la question, Ted. Je te l'ai dit, mon frère. C'est compliqué. Je ne sais ni comment ni pourquoi elles sont devenues ces créatures abjectes. Mais peut-être qu'en en libérant d'autres... Peut-être qu'on en apprend d'autres. Le destin des Valkyries, petit. Il n'existe pas d'entreprise comme... Ce sera dangereux. Jusque-là, ça ne t'a jamais arrêté, si. À la bonne heure. Donc apparemment, faut sauver les Valkyries pour qu'on récupère des trucs légendaires. Je suis content, le... Ratatak, là, il a son utilité quand même. Il a son utilité. Je pensais qu'à un moment ou un autre, on allait avoir besoin d'un truc qui peut nous soigner. C'est vrai que ça a aidé. C'était pas mal. Oh putain, c'était chaud quand même. C'est fatigant, la vache.